Je suis contente de vous retrouver en ce mardi matin après une petite absence d'une journée hier où j'ai pas pu filmer. Donc j'avais proposé d'aborder d'autres sujets en espérant un peu m'être trompée par rapport à Émile. Malheureusement, sa disparition n'a toujours pas été élucidée. J'ai vu qu'hier il y avait beaucoup de gens qui s'étaient rendus sur place, 200 personnes. J'ai volontairement évité de regarder toute information, toute autre chaîne de voyance pour ne pas me laisser influencer. Je tiens à apporter mon soutien de nouveau et à effectuer un nouveau tirage parce que mes ressentis, eux, ont changé. J'ai malheureusement beaucoup moins d'énergie sur ce petit garçon, a priori. Donc on va essayer d'en savoir plus aujourd'hui ensemble avec une nouvelle enquête. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Je vous remercie à tous pour votre gentillesse. J'ai vu passer des commentaires. Je vais m'atteler aujourd'hui à répondre à tout ça. Je pensais absolument pas avoir autant de vues. Et comme je le disais, je fais ça vraiment parce que j'aime pouvoir aider. Et puis, avec l'affaire Kevin et Leslie, j'ai tellement été frustrée de ne pas pouvoir, aider plus, communiquer sur ce que je ressentais. Enfin, là, on va se concentrer sur Émile. C'est parti. Donc ce petit garçon tout blondiné, adorable, de 2 ans et demi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc là, ce qu'on va poser aujourd'hui comme question, je ne vais pas oser quand même demander, mais je vais demander dans quel état il est. C'est quelque chose de ferme. Comment se porte Émile aujourd'hui? Alors, là, ça fait beaucoup trop de cartes en fait. Je pensais en avoir que 2, mais il y en a 5. Donc, je remélange. Alors, pour les gens qui m'ont demandé, j'utilise, donc ça, c'est le jeu de haut. Ça s'écrit comme ça. Je crois que je l'ai acheté sur Amazon. Sage. Comment se porte Émile aujourd'hui, mardi 11 juillet? Alors, en ce mardi 11 juillet, on nous apprend qu'il y a toujours l'embarras, toujours la résistance. Ok. Ferme, sage, embarrassé et résisté. Comment se porte Émile aujourd'hui? Émile. Elle te prend. Reculer. Wouhou! Ça en fait quand même pas mal là aussi. Il y en a 1, 2, 3, 4, 4. Ouais, donc ça fait 3. Je les remets dans le jeu. Donc ce petit garçon, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment, dans quel état, comment te portes-tu aujourd'hui, Émile? D'accord, donc pour moi cet enfant a fait l'objet d'une lutte, a fait l'objet d'une lutte de pouvoir autour de lui. Donc est-ce que c'est pour une garde éventuellement? Est-ce que les parents étaient en instance de divorce? Ça j'en sais rien du tout. Mais il y a aujourd'hui une lutte de pouvoir, alors peut-être que son agresseur aussi tout simplement n'est pas tout seul. Hein. Mais là moi ce que je demandais c'était plutôt comment se portait le petit garçon aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on veut plus nous parler de circonstances. Oh mon Dieu.
Alors là, la carte, je vais pas oser la poser. C'est le VIOL. Et je suis vraiment pas bien en voyant ça. S'ensuit la carte supprimée. La lassitude de nouveau et les rires. Alors on va recouvrir ces cartes avec des illustrations comme toujours. Je vais dans un premier temps utiliser les illustrations du jeu de haut pour qu'on puisse venir nous apporter des précisions sur l'état aujourd'hui, l'état de santé d'Émile. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Donc là, il y a eu vraiment de la peur, de la terreur. Ça vient couvrir la carte ferme. Donc on peut vouloir entendre une situation fermée. On pourrait vouloir aussi nous parler d'une ferme, mais on pourrait vouloir nous parler de quelqu'un qui est ferme. On pourrait vouloir nous parler de fermer quelque chose. Le mot ferme est très très interprétable de diverses manières. Néanmoins, ça a été fait dans la terreur. Donc, on parle ici de quelqu'un qui a une certaine autorité, quelqu'un de sage, quelqu'un que cet enfant peut-être connaissait déjà. En tout cas, quelqu'un qui fait figure de sagesse pour lui, peut-être un voisin, peut-être. C'est quelqu'un en plus, je pense. Alors, on peut nous parler de l'enfant. C'est vrai que Louis a l'air. Alors, moi, en voyant sa photo, je ne sais pas vous dire pourquoi. Pour moi, c'est un enfant qui est brillant, qui est intelligent. Ouais. C'est tout à fait possible que cet enfant, d'habitude, fait preuve de sagesse et qu'on me dise que là, c'est pas normal. Donc on est embarrassé par quelque chose qui est de l'ordre de la disparition, du départ. On peut être embarrassé aussi par la disparition, tout simplement, donc, ou par la distance. Donc ce jour, aujourd'hui, on demande l'état aujourd'hui dans lequel se trouve Émile. Il y a quelque chose de la distanciation. Donc Émile peut-être aujourd'hui a fait confiance à la mauvaise personne. Malgré lui, quoi, je dirais. C'est quelqu'un, en fait, voilà, donc moi je vais vous dire clairement ce que je ressens, parce qu'on est là pour ça, avec la meilleure des façons. Là, je demande en fait l'état dans lequel aujourd'hui se trouve Émile. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on me dit déjà dans un premier temps, c'est qu'Émile, pour moi, il y a une séquestration. Une séquestration qui est faite par une personne plus âgée, évidemment. Parce qu'il connaissait ce tempérament d'enfant, en fait. Hein. Maintenant, c'est quelqu'un qui est peut-être très embarrassé de se retrouver avec ce petit garçon, parce que ce qu'on a vu, c'était qu'il était joli, peut-être très dynamique, mais en réalité, il n'est pas que ça. C'est quelqu'un de perspicace. Donc, sur la carte de résister, on a des chemins qui se séparent, deux personnes qui partent chacune d'un côté de la route. Donc, pour moi, il y a deux personnes au minimum qui sont au courant de ce qui se passe et qui ne sont pas d'accord. Qui ne sont pas d'accord sur la suite des événements concernant Émile. Ça peut aussi être une situation dans laquelle Émile aurait vu ses parents peut-être se déchirer aussi. Peut-être qu'il a assisté à des scènes de couple compliquées. Donc, sur la carte de reculer, je tire la carte de l'écrit. Je suppose, puisqu'on demande toujours par rapport à Émile dans quel état il est aujourd'hui, qu'on va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles, soit quelqu'un qui va nous apprendre quelque chose sur cette disparition, soit quelqu'un qui va faire une demande de rançon, soit quelqu'un qui va tellement regretter ce qu'il a fait qu'il va laisser un courrier. Dans tous les cas, l'issue ne sera pas positive. Moi, je ressens un peu une lettre de suicide quand je tombe là-dessus et je dirais peut-être aussi que malheureusement, la personne qui sait ce qui s'est passé pour Émile n'est pas à l'aise avec ça, quoi. Parce qu'après arrive la carte de l'auto-saboteur, donc on va voir un peu si on nous donne des infos par rapport à Émile, sur qu'est-ce qui s'est passé sur de l'auto-sabotation. Auto-sabotage, oh mon Dieu, j'invente des mots, pardon. Ouais, donc bah, je retire la carte que je ne peux pas montrer, qui représente des parties génitales féminines, hein, un entrejambe féminin. Donc pour moi, on a vraiment un problème lié à une femme,
Quelqu'un, oui. La femme est déjà ressortie l'autre fois sous les traits d'une infirmière. Hein. Je ne pense pas qu'on soit forcément que sur un homme. Pour moi, d'ailleurs, la carte de la dissonance des gens qui se séparent, ça peut aussi représenter un homme et une femme. Donc, je vais recouvrir encore l'autosaboteur. La faim. Donc, cette personne va se faire attraper. Hein. On va en savoir plus pour Émile. Rigide et recouvert de nouveau par cette porte fermée à clé à double tour. Donc on nous apprend que la personne n'a pas du tout l'intention de le libérer aujourd'hui, mais qu'on va savoir quand même parce qu'il n'aura pas le choix. C'est quelqu'un, ah ben voilà, hein. Écoutez, j'invente rien, l'argent ressort encore sur la lutte de pouvoir. Donc il y a eu un trafic par rapport à cet enfant, quelqu'un qui ne veut pas lâcher et je pense à qui on a promis plus d'argent, à qui on ne veut pas donner toute la somme. Et on va savoir plus, on va savoir plus. Il faut que la famille reste pleine d'espoir. Par contre, je ne suis pas certaine que les nouvelles seront vraiment super. Donc, sur la carte que je ne pouvais pas laisser, le VIOL, je tombe sur la carte de la trahison du couteau dans le dos. Je pense que malheureusement, le petit connaît la personne qui l'a embarqué. Pour moi, ça, c'est... Il y a quelque chose vraiment de la connaissance. Hein. Ce n'est pas quelqu'un par hasard. Supprimer, donc je tombe sur le micro. Donc on a supprimé la parole, on a supprimé, on a donné une mauvaise communication. On a menti. Ouais, on a supprimé la parole de quelqu'un qui sait quelque chose à ce sujet. Attendez, je vais compléter. On tombe sur la mère de nouveau, hein. Donc voilà, est-ce qu'on aurait un lien par rapport à ça? La lassitude. Toujours la mère. Et rire avec le go. Donc, ce qu'on apprend pour moi sur cette ligne-là, et en prenant 2 minutes de recul sur mon jeu, c'est que donc le petit vivait vraiment dans une atmosphère, dans une ambiance carrée, une famille qui était fière de lui parce que c'était un enfant sage, un enfant obéissant, quelqu'un qui allait comme on voulait qu'il aille. Et en même temps, on est face à des individus pour moi qui sont un peu psychorigides, qui font preuve d'autorité en tout cas. Ce qui a été embarrassant, c'est une distance, un voyage, quelque chose qui s'est établi entre deux personnes. Est-ce qu'il y aurait eu un doute sur la paternité du petit? Je ne sais pas. On a résisté à une situation qui a été de l'ordre de la divergence d'opinion, de la divergence de point de vue. Donc, derrière cette agression, cet enlèvement, cette disparition, on peut l'appeler comme on veut, il y a vraiment deux personnes avec deux avis différents qui ne sont pas d'accord sur la suite à donner. Je vois que la personne qui n'est pas d'accord avec ce qui s'est produit a envie d'écrire, de se dévouer, pardon, de se décharger sur du papier, de donner en tout cas sa version, peut-être même à la police. C'est quelqu'un qui n'assume pas ce qui s'est passé. Cette personne qui n'assume pas, voilà, pour moi c'est plutôt une femme et il y aurait quand même un lien avec quelque chose, peut-être du trafic pédo. Je ne sais pas. Donc là, on est sur la fin de l'autosaboteur, quelqu'un qui se serait suicidé potentiellement, qui serait morte. Quelqu'un qui est dans une situation d'enfermement total ou quelqu'un qui serait rentré en hospitalisation. Pour moi, il y a de la rigidité parce que l'enfant n'a pas le choix, il est séquestré, il est enfermé. Aujourd'hui, je ne peux pas confirmer s'il est toujours de ce monde ou pas parce que mon ressenti à moi est très sombre et aujourd'hui, dans les cartes, ça ne ressort pas. Donc, on a fait ça pour de l'argent. Il y a une vraie lutte de pouvoir sur une situation financière, une situation sociale, quelque chose qui représente la réussite. On a fait une exaction, il y a eu une trahison sur une personne. Je pense que cette personne qui a été agressée par un proche. Et qu'on a voulu supprimer le bonheur de cette femme. Il y a vraiment quelque chose, peut-être de l'ordre de la vengeance par rapport aux parents aussi. Hein. On a été peut-être. On en a eu marre peut-être des leçons de morale. On a eu envie de montrer à la personne qu'elle n'était pas mieux que les autres. Il y a de l'ordre de la revanche pour moi là-dedans. Ce que je vous propose, c'est de faire un second tirage avec d'autres cartes. Toujours l'objectif de savoir aujourd'hui si on peut nous donner des indications. Alors là, je vais essayer d'avoir une indication plus de lieu. Ce qui fait que je vais changer, je vais ranger le jeu de haut. En tout cas, ces cartes-là,
Et je vais essayer de prendre sur la carte du Résilio et de faire parler un petit peu comme avant-hier pour essayer de voir ce qu'on veut bien nous confier comme message par rapport potentiellement à un lieu où serait Émile. Où est-ce qu'on pourrait le retrouver Alors, où es-tu Émile aujourd'hui? Où te trouves-tu? Où te situes-tu? Est-ce que tu peux nous donner des indications? Est-ce que Mehdi peut nous donner des indications? Moi, j'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui est dérangé. Donc là, on a la maman encore avec l'enfant qui fait les devoirs, qui a l'air d'être dans sa, ouais, qui est dans sa cuisine. Il y a un autre enfant qui joue dessous. C'est une scène de vie de famille plutôt normale. Donc tout allait bien. Et puis, il y a eu un complot, quelque chose qui s'est tramé dans l'obscurité, dans le dos. Quelque chose qui a été fait par plusieurs personnes. Donc, on peut voir ici quatre protagonistes. Je demande toujours, par rapport au petit, est-ce qu'on peut nous donner une indication de lieu où il pourrait se trouver physiquement, Émile, physiquement, où es-tu ? Je vais, puisqu'elle ne sort pas toute seule, je vais les tirer ainsi. Ouais, on a quelqu'un qui est caché, quelqu'un qui masque les choses. Regardez bien les yeux bleus si ça peut vous parler. On ne sait pas. Quelqu'un qui fait comprendre à Émile aujourd'hui qu'il est tout petit par rapport à la situation, qu'il peut s'en débarrasser comme il veut. Donc Émile a peur, s'il est toujours là. Du coup, pour moi, cet enfant s'est réfugié dans le monde des rêves, il a dissocié. Je pense qu'on l'a aidé à dissocier en le droguant. Malheureusement, on tombe sur les pilules, les cachets. Cet enfant est sûrement drogué aujourd'hui. Alors, il pourrait se situer dans une maison à la campagne. Je pense que cette dame qui est représentée... On voit vraiment qu'elle est tranquille avec son cendrier posé face à la campagne. Donc, quelqu'un qui pourrait être son geôlier et qui pourrait le surveiller. Là, on a encore quatre bras qui montrent une cible. Donc, on va peut-être arriver à nous cibler un lieu, une personne et de nouveau quatre. Ok, donc un lieu qui me sort, c'est l'eau. Donc on est dans un département qui ne doit pas être forcément très loin de la mer, j'imagine. Je n'ai pas regardé où c'était exactement. Mais en tout cas, il pourrait être dans de l'eau. Alors c'est vrai que c'est un kayak, peut-être de l'eau douce plutôt. Un lac. Voilà, un lac. Oula oui, un lac. J'entends oui. C'est une situation qui a été vraiment inconfortable de l'ordre de l'équilibriste. Hein. Donc, pour petit Émile, il y a eu vraiment quelque chose qui a été déstabilisant pour lui. Il a été, pour moi, sur la brèche, au mauvais moment, au mauvais endroit, comme on pourrait dire. Dans les cartes qui sont tombées, j'ai l'engrenage. Donc, pris dans un engrenage, ça c'est possible. Et donc, j'ai le cocotier avec le vent. Donc, on pourrait vraiment peut-être nous reparler de la plage de nouveau. Quelque chose de plutôt chaud. Quelqu'un a peur, quelqu'un se sent épié, quelqu'un autour d'Émile. Donc, je pense que la personne qui a gardé le petit garçon sait qu'il est très recherché. Et il est vigilant. On montre un homme qui se cache. Allez, est-ce qu'on peut me donner une carte de lieu, s'il vous plaît, pour essayer d'aider la famille à retrouver Émile? Ouais, donc on est dans un lieu qui serait peut-être proche de l'eau, je dirais un lac peut-être. Malgré tout, il y a le cocotier qui est ressorti, donc on peut quand même aller voir s'il n'y aurait pas des petites criques, des plages, des machins pas loin de chez eux. On est aussi dans un bois, on n'est pas très loin de la mer, mais il y a aussi la campagne. Et pour moi, du coup, on est vraiment à chaque fois sur le chiffre 4. 1, 2, 3, 4 arbres. Là encore, non, pas celle-ci. Mmh.
Là, on avait les quatre personnes. Et là également. Pour moi, il y a plusieurs personnes qui sont au courant de ce qui s'est passé ou qui vont être au courant et vont avoir un cas de conscience là. Est-ce qu'on révèle, est-ce qu'on révèle pas, est-ce qu'on balance, est-ce qu'on balance pas? C'est pas facile, il y a un cas de conscience pour eux qui a l'air de se tramer. Ok, d'accord. On va faire autrement puisque je vais prendre maintenant le jeu COP ou COPÉ, comme je vous le dis, je ne sais jamais. Émile, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à là où tu serais, ce que tu vis pour l'instant? Est-ce qu'on peut m'aider, s'il vous plaît, dans la vidéo? Ok, donc là, il y a des tergiversations. On n'est pas forcément d'accord sur ce qui va se passer. Un homme semble aimer les enfants. Quelqu'un de protecteur, ça peut représenter le grand-père, peut-être, qui le gardait. Une joie familiale. Ça nous fait penser aux images de guerre, hein. Il y a une célèbre photo comme ça, où c'est un enfant qui est prisonnier des camps de concentration. Donc on a vraiment... On a une séquestration, hein. On a vraiment une séquestration. Quelqu'un qui veut se cacher, retourner à son œuf, rentrer chez lui. Mais c'est brisé, c'est trop tard, il ne pourra pas revenir en arrière. C'est quelqu'un qui aimerait revenir en arrière. Qui... Ouais. Donc là, ce qui ressort, j'ai un homme nu, couché, qui sent malheureux. La campagne. Trois personnes, donc une grand-mère, une mère, un enfant, qui sont très malheureux. Et quelqu'un qui semble en colère contre un corbeau. Alors le corbeau, c'est le messager de la mort. Il navigue entre le royaume des vivants et le royaume des morts. Ouais, il est vraiment enfermé quelque part. Alors j'aimerais savoir s'il a encore beaucoup d'énergie en lui. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la fatigue. Grosse, grosse, grosse fatigue. Et je pense vraiment qu'il est drogué, cet enfant. Pour moi, il y a de l'ordre de la... Ça tangue, on n'est pas bien. Moi, je suis très fatiguée dès que je... Alors, c'est vrai que c'est fatigant de faire ça, mais objectivement, là, c'est bien plus fatigant que les autres fois. Donc, je pense vraiment qu'il y a une très bonne connexion qui se fait et que ça doit être compliqué pour moi d'accepter ça. Donc, dépendre d'eux. Aimer. Comique. Mentir. Supprimer. Esclave. Étranger. Encore la lassitude. J'avance les cartes, je vais en faire une troisième rangée. L'aversion. Les apparences, l'apparence. La dette. Ouais, celle-ci, c'est pas mal ici. La dette, pardon, excusez-moi, je parle toute seule. Et l'auto-saboteur. Il veut vraiment revenir à l'auto-saboteur. Je vais prendre le Tando pour compléter cette fois le jeu. Donc, Tando qui vient en complément des cartes hautes. Merci beaucoup pour la personne qui m'a dit que j'avais. Je vais lui rendre les oracles un peu plus agréables et j'en suis ravie. C'est très très cool de votre part. Mais je vais prendre le temps de vous répondre à tous, bien entendu, de regarder les problèmes sur ma chaîne. Donc, dépendre de l'univers. Donc, effectivement, il y a peut-être de l'ordre de quelque chose, du destin finalement. Hein. Ce qui se passe appartient vraiment au destin et c'est vrai que c'est pas idiot. Malheureusement, on a tous un destin. Alors, sur aimer, j'ai une femme seule qui semble un peu démunie, que j'avais déjà eue la dernière fois, qui est sur son lit. Soit elle attend, soit elle médite sur ce qui vient de se passer.
Alors, comique. Le comique, ça ne veut pas forcément dire que c'est drôle, hein, et surtout pas dans cette façon. C'est qu'on peut vouloir me jouer la comédie. Et là, j'arrive sur un couple. Un couple d'artistes, de danseurs, un couple espagnol peut-être, puisque ça a l'air de ressembler au tango. Ouais, enfin voilà, il y a un comique de situation par rapport à eux. Oula. Alors, ce qui sort. Mentir. Donc, on a de nouveau un couple. De nouveau un couple qui ment. L'homme a l'air écrasé sous le poids de la femme. Donc, potentiellement, la femme qui est ici, on peut penser quand même que c'est une femme qui domine cette situation par rapport à ce petit. Il y a au moins deux personnes. Ah ouais, hein, vous voyez, donc supprimé, malheureusement. Et j'avais jamais tiré cette carte. Un couple face à un bébé nouveau-né et on ne sait pas quoi en faire. On le regarde bizarrement. Pourquoi? Parce que cet enfant n'est pas comme nous. Et je pense que la couleur de l'enfant est en lien avec la réaction des parents. Et donc on a bien sur la carte de la suppression. Donc voilà. On est encore face à un couple qui n'est pas d'accord. Il y a quelque chose peut-être par rapport à la parentalité, par rapport à la génétique. Alors là, j'ai pile trois cartes qui sont tombées. Donc pour moi, l'esclave. L'esclave, c'est une personne qui. Voilà, donc il y a encore deux personnes ici. Je pense plutôt que cette fois-ci, on est sur deux hommes. On est esclave d'une situation, malheureusement, peut-être de quelque chose qui a déjà été vécu par le passé. Après, donc dans deux autres cartes qui sont tombées, je vois effectivement quelque chose qui ressort de terre. Monte au ciel. Et enfin, la lassitude sur le couple. Ils ne se parlent plus, ils ne se regardent plus. Ils ont l'air vraiment d'avoir plus rien à se dire quoi, dans cette carte. Ça peut être normal pour le moment, en tout cas. Ouais, non, parce que sur la version, j'ai de nouveau un couple qui ressort. Donc sur la version, on pourrait être écœuré d'une situation romantique ou peut-être écœuré d'une trahison. Une aversion, je vais recouvrir. Donc on est bien sur un couple qui est représenté ici, comme des personnages plus ou moins de glace. Le roi et la reine de glace. En tout cas, on a une aversion par rapport à la pureté de cet enfant. Pour moi, le blanc est vraiment très clair. Et par rapport à ses capacités aussi. Là, dans les apparences, on pourrait avoir l'apparence d'une femme méchante avec un homme, voilà, quelqu'un qui dominerait. J'ai entendu parler d'un message publié par la maman qui a peut-être interpellé certaines personnes. Et alors, on voudrait peut-être nous dire que c'est pas forcément à la maman que tout incombe. Mais dans les apparences, on a aussi une scène entre deux femmes. Voilà, une scène qui laisse entendre quand même de la sensualité entre elles. Donc on peut nous avoir donné en apparence un couple, mais en fait quelque chose qui ne fonctionnerait plus parce que changement d'orientation, potentiellement. Changement d'orientation, vous avez compris lequel. On a une dette. Ouais, donc là, on est de nouveau sur deux personnes, hein. Et sur deux personnes, j'aurais tendance à dire un homme et une femme, puisque les tenues. Ouais, il y a une dette. Une dette, c'est très important, retenez-le, parce que ça peut engendrer de la revente. Et l'auto-saboteur, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va parler. On va savoir plus parce que cette personne ne va pas se taire. Donc soit on ne va pas l'aider puisque la femme a l'air assez négative dans cette image, elle n'est pas acceptante de la proposition de l'homme. Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va être dit par rapport à de l'argent. Donc là, la dette, la femme a refusé d'aider. Oui, voilà. Donc on est vraiment dans l'auto-saboteur qui, en fait, par dispute, discorde, dissonance, va potentiellement nous en dire plus. Super. J'espère vraiment que ça va être le cas et qu'on va en savoir plus rapidement. Ce que je vous propose, je sais que c'est un tirage très long, mais vu les circonstances, ça me fait moins culpabiliser.
C'est une petite carte d'orientation par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme signe pour Émile ? Pour Émile. Émile à l'Auvergnat. Émile à l'Auvergnat. La maison. Donc vraiment quelque chose s'est passé à l'intérieur du foyer. Il y a des gens dans la famille qui savent. Je suis navrée. Alors c'est une hypothèse, c'est une interprétation. Potentiellement des gens sauraient. Voilà. Comment j'aurais dû le formuler ainsi, je vous prie de m'excuser. Donc là on est vraiment dans un jeu qui nous indique, excusez-moi, j'enlève trop vite les cartes, mais que ce petit garçon est aujourd'hui bloqué dans une situation malheureusement où je pense qu'il est maltraité, en tout cas qui ne vit pas bien du tout cette situation, même s'il était avec des gens qu'il connaissait, il n'est pas bien. On a voulu nous mentir sur l'entourage de cet enfant, on nous fait passer une situation familiale presque parfaite alors que ça ne l'était pas. Je me rends compte aussi qu'on a par rapport à deux personnes, le couple, quelque chose de très tendu. C'est un couple qui avait déjà des tensions au préalable, semble-t-il. Et je dirais peut-être aussi que ce sont des personnes qui seraient amenées à se déchirer avec cette histoire de disparition en plus. Donc là, j'estime ne pas avoir suffisamment de réponses pour aujourd'hui. Je vais essayer avec la Sibylle des salons en posant des questions clairement. Mais pas trop clairement quand même parce que je ne veux pas choquer les familles, vraiment pas. Qu'est-ce que je pourrais faire comme tirage ? Moi, je pense qu'on va partir sur un tirage simple. Ça ira pas. Ouais, je vais faire le conseil de Pénélope. Hein. Je vais partir là-dessus. On va voir ce que ça peut vouloir nous dire. Si j'arrive à avoir plus d'informations sur ce qu'est devenu ce petit bonhomme. J'espère vraiment en tout cas pouvoir aider un peu à ma petite mesure. Allez, j'enlève les cartes qui ne servent à rien et c'est parti. Donc on va tirer une première carte qui représentera le passé. Alors, ok, donc il y a pas mal de choses qui ressortent à l'envers. Donc, on peut constater que dans le passé, je tire partie de campagne. Donc là, on est sur du trèfle. On est sur du trèfle qui est arrivé, lui, à l'endroit. Et cette carte nous parle en fait de vacances, en fait, se ressourcer. Donc dans le passé, c'est vrai que le petit garçon était là pour, je pense, pour passer des vacances avec ses grands-parents ou un week-end. Dans le futur, on a la carte du voyage. La carte du voyage symbolisée tout de même par deux hommes. On peut voir aussi une charrette au dos. Donc c'est vrai que le carreau, c'est toujours, comme je disais, souvent en tout cas le voyage. Et là, ce qu'on veut nous dire, c'est que c'était les grandes vacances. On avait prévu d'explorer, voilà. Et que dans le futur, je crains qu'il y ait un transport de fait avec cet enfant. Un transport est possible. Là, on a la carte du voleur qui correspond donc toujours au valet de carreau, excusez-moi. Et au niveau de cette carte, ce qu'on peut vouloir nous annoncer, c'est que c'est... Donc là, ça représente le conscient. Et donc, ça serait une personne profiteuse... une personne fuyante, quelqu'un qui vole, hein, voilà. Et ça serait vraiment quelque chose de l'ordre de la personnalité du kidnappeur. Donc il y aurait une notion potentiellement de commerce qui pourrait être évoquée. Et puis après, on arrive sur la carte de l'inconscient. L'inconscient qui est là et qui est basé là sur du cœur et sur l'attente. Mais l'attente renversée. Donc, ce qu'on nous apprend ici, tout simplement, c'est qu'il y a un déblocage, une bonne surprise et un soulagement. Ok, ça c'est déjà plutôt rassurant. Moi, ce que je voudrais aussi, peut-être en faisant
Ouais, je vais essayer avec les embrouilles au salon parce que là, c'est plus orienté sur une problématique en particulier. Donc, les embrouilles au salon, c'est un autre jeu et du coup, c'est un tirage pour comprendre et dénouer des problèmes. Donc, on va voir. Je crois que je vous l'avais déjà fait, mais j'ai un doute. Mais je crois. Alors, la situation actuelle pour Émile, s'il vous plaît. Allez. Situation actuelle pour Émile. Racine du problème. Hop, ça c'est les obstacles actuels pour Émile. Là, on a les aides possibles. Pardon. Le comportement à adopter et l'évolution de la situation. Non, pardon, c'est le comportement à éviter. Et là, on est sur, effectivement, l'évolution de la situation. Donc aujourd'hui, donc là c'est bien la carte de la situation actuelle où on est sur une opportunité. Effectivement, on pourrait se dire que c'est un crime d'opportunité ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cet enfant était dehors par lui-même à un moment où il n'aurait jamais dû l'être. Et ça a été une véritable opportunité, certainement pour les personnes qui l'ont vu. Parce que tout seul, pas de surveillance. Du pain béni pour quelqu'un qui serait vraiment de mauvaise volonté et quelqu'un qui voudrait lui faire du mal. On voit que c'est quelqu'un qui est sur un cheval, donc potentiellement une voiture. Hein. On pourrait représenter le cheval par la motorisation et par en fait le déplacement. Donc ce qui me parle à moi là tout de suite, c'est que ce petit pour moi a été vraiment mais monté en voiture et a été conduit quelque part, mais pas de lui-même. Vraiment, je suis persuadée en mon fort intérieur que cet enfant n'a pas pu. Partir tout seul et faire tout ce déplacement tout seul malgré ce qu'on nous a dit, je n'ai pas ce ressenti-là, en tout cas. Alors, on va compléter. Donc là, on avait la situation actuelle et là, on a... Oh, pardon, c'est pas une carte. Hop, je vais changer. Je vais prendre une autre carte parce que c'était une carte de... Oh, je perds mes mots. C'était une carte comme ça. Voilà, donc à la place, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'attente qui arrive à l'envers. Donc, l'attente qui arrive à l'envers, c'est pas joyeux non plus, puisqu'on est vraiment sur une carte qui est redondante, qui pourrait inviter. Ah si, pardon. Eh oui, à l'envers, c'est l'inverse. C'est un déblocage, une bonne surprise. Eh oui, donc, non, pardon, excusez-moi, on est vraiment donc. Je me reconcentre. La situation actuelle, donc, c'est un crime d'opportunité. Les racines du problème. Je retourne la carte, j'ai besoin de la voir à l'endroit. Les racines du problème, donc, pour moi, vraiment, il y a une femme avec son enfant. Ouais, il y a eu un problème, je pense. Hein. Il se pourrait qu'il y ait vraiment eu un problème avec la famille, et notamment une entité maternelle ou une femme de la famille. Hein. Donc là, du coup, on serait vraiment sur plutôt quelque chose qui indique un déblocage, une bonne surprise, un soulagement. Mais pour moi, si on se contente de notre affaire, attention, on est vraiment sur une femme qui pourrait avoir eu un impact. Là, ce serait la racine. En plus, ça serait la racine du problème, donc vraiment quelque chose de l'ordre du rejet. Là, on est sur les obstacles actuels. Les obstacles actuels, c'est des personnes qui jouent, des poker face, des gens qui mentent. Ils sont trois. Ils sont trois à la table et du coup, on est vraiment sur une carte qui indique que c'est des faux amis, une stratégie, des adversaires, quelque chose de très malsain. Donc, les obstacles actuels, c'est que quelqu'un ment, il cache sciemment les choses, ils sont trois et ne veulent pas dire. Les aides possibles. Donc là, on a la maladie à l'envers qui ressort avec deux personnes. Je retourne la carte pour pouvoir mieux les regarder. Un homme malade, âgé, souffrant. Une femme qui vient pour le nourrir avec une coiffe. On est sur de l'ordre du pic. On est sur une carte à l'envers. Donc ça atténue forcément le message. Et là, on est plutôt sur une carte qui indiquerait un rétablissement. Quelqu'un qui coupe des liens toxiques. Voilà. Voilà.
Donc l'aide qu'ils auraient pu avoir, ça aurait été potentiellement de couper avant avec quelqu'un de très toxique dans leur entourage. Et je pense qu'ils voyaient, si quelqu'un de cette famille regarde ma vidéo, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire si je me trompe ou pas et si je dois continuer à creuser dans cette piste. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre qui pourrait être de la famille. Alors ensuite, nous avons la carte de l'ennemi qui arrive, la carte du succès et enfin la carte de la mort. Ça, c'est l'évolution de la situation. Alors, parfait, nous allons apprendre que dans les comportements adoptés, nous avions le comportement de la méfiance. Deux personnes, de nouveau, deux hommes. Et là, on est sur une carte qui indique, comme elle est à l'envers, qu'on aurait pu déjouer un complot, qu'on aurait été très méfiant et que du coup, ça aurait porté ses fruits. Donc, la méfiance était le comportement adopté. Il fallait vraiment faire attention. Ici, on est sur le comportement à éviter. Et le comportement à éviter, lorsqu'il ressort avec du trèfle, ça peut vouloir dire tout simplement qu'il faut rester humble par rapport à l'argent. Pour moi, là, cette carte représente les gains, l'argent, l'aboutissement financier, voilà. Et donc, comme c'est un comportement à éviter, peut-être soit éviter de payer une rançon, mais moi, je dirais peut-être que c'est des gens qui auraient dû éviter de trop parler de leur réussite. Et malheureusement, sur l'évolution de la situation, alors... la carte de la mort ressort et la carte de la mort peut indiquer autant un décès qu'un nouveau départ. Là, en l'occurrence, vu que c'est l'évolution de la situation, on est sur le syndrome, une relation très toxique en fait. Hein. Donc pour moi, l'évolution de la situation, on va vraiment apprendre beaucoup de choses dans les mois à venir concernant l'entourage et la vie de cet enfant. Pour le moment, c'est la fin, c'est la fatalité, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, d'inévitable, voilà. Donc pour moi aujourd'hui, on pourrait vouloir nous indiquer aussi que ce petit, malheureusement, ne fait plus partie de ce monde. Alors j'espère que ces tirages vous auront apporté plus de renseignements et plus d'informations. À vrai dire, j'aurais voulu moi en avoir un peu plus, notamment par rapport au lieu, par rapport à beaucoup de choses de ce genre. Et j'ai un petit peu de mal à lâcher mon tirage aujourd'hui. J'ai peur que ça soit trop long et vraiment pas intéressant du coup pour vous si je me répète. Donc je vais en arrêter là. Malheureusement pour moi, donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la situation concernant cet enfant est en train d'évoluer et que je sens malheureusement la lumière s'éteindre autour de lui. Alors je dis pas ça pour faire de la peine à la famille, mais je pense que les gens qui le cherchent doivent avoir conscience que... À l'heure où je vous parle, j'ai l'impression que cet enfant fait l'objet, on va dire, d'une transaction. Et je ne suis malheureusement pas certaine que son énergie soit toujours parmi nous. J'ai un vrai doute. Ce que je vous propose, encore une fois, pour essayer de compléter, d'être la plus professionnelle possible, c'est de prendre le tarot de la lumière, que je vais faire à ma façon. On va essayer de savoir... comment je pourrais formuler ça? Parce que je pense pas que j'aurais vraiment d'indication de lieu. Je peux quand même essayer. Ouais, Emile, aujourd'hui, s'il vous plaît. Ouais, Emile, aujourd'hui. Emile, là, c'est pareil, je l'ai dit à l'endroit et à l'envers. Pour moi, il y a franchement toujours un sens un peu à part. Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, je crois que je l'avais déjà tiré aussi, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. Je ne sais plus si c'était dans cette affaire ou pas, mais il me semble que oui. Et donc, sur la coupe, comme je vous avais indiqué la dernière fois, on est sur des choses émotionnelles. Vraiment. Donc là, on est vraiment sur le 3 qui indique les festivités, l'insouciance, la joie. En fait, on est vraiment sur quelque chose de joyeux au départ. Je retourne pour moi. Donc là, on est sur le 7 d'épée. 7 d'épée avec une notion de temps. Le 7 d'épée. Donc pour moi, le 7 d'épée, on est sur l'imagination, l'illusion, la visualisation. Mais du coup, là, elle était à l'envers. Donc c'était des rêves. Ouais, il faut clarifier une situation. Quelque chose qui est un peu... qui va pas, qui est pas clair. Le jugement. Donc sur le jugement...
Ouais, le jugement, pour moi, il y a vraiment une notion, comme on voit là sur la carte, de main tendue au ciel. Il y a quelqu'un pour l'instant qui demande de la justice divine autour de lui. J'espère qu'il n'y a pas de notion de sacrificiel, par contre. Valet de denier. Ok, donc là, on part sur une autre tendance, puisque le denier, donc lui, c'est plutôt les projets, on va dire, professionnels, l'argent, des choses comme ça. Et donc, pour ce qui concerne le valet de denier, qui lui était arrivé aussi à l'envers, on est sur une opportunité manquée et des projets qui ne seraient pas trop réalistes. Moi, je veux savoir où est Émile aujourd'hui et s'il se porte bien. Non. D'accord, donc face à ma question de savoir où est Émile aujourd'hui et est-ce qu'il se porte bien, la réponse est non. La réponse est non puisque je viens de tirer la carte de la tour, la carte de la tour qui est sortie à l'endroit. Alors cette carte, pourquoi c'est pas forcément très chouette? C'est parce que sur cette carte, c'est la maison de Dieu aussi, Isabelle, hein. C'est un choc, un bouleversement, un traumatisme, l'effondrement de toutes les certitudes. Après, on est complété par le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est pareil, c'est plus l'ordre de la colère. Donc, on va regarder sur le 6 de bâton qui, lui, arrive à l'envers. On est sur une incompétence, un syndrome de l'imposteur. Quelqu'un, en fait, qui ne se sent pas du tout légitime. Donc, il y a quelqu'un qui a du mal aussi à se faire respecter. Et enfin, donc, l'as de bâton retourné. Donc, l'as de bâton retourné, là aussi, c'est plutôt le manque de motivation, une impuissance. Je vais en tirer une autre. Le 3 d'épée ressort avec une espèce de chèvre-licorne. Donc le 3 d'épée, ça peut aussi représenter en fait les blessures morales et le deuil. Donc je crains malheureusement que ce petit garçon soit pas retrouvé à temps. 5 de bâton à l'envers, 8 de denier de nouveau comme la dernière fois, le mat et le cavalier de coupe. Allez, je vais ranger les cartes et je vais vous dire un petit peu avec ces dernières ce que je ressens, ce que je comprends et ce que je peux voir entre guillemets. Ok. Donc sur le 5 de bâton qui arrive renversé de nouveau. Alors là, on a pas mal de cartes à l'envers, hein, effectivement. Donc sur cette carte, on a des tensions qui s'apaisent. Il y aurait une cohésion d'équipe. Donc on va peut-être apprendre quelque chose et la famille va pouvoir se reconcentrer, se resolidifier autour de ça, de cette mauvaise expérience. Malgré tout, ce qui arrive derrière, c'est la carte qui arrive à l'endroit. C'est la concentration, la discipline, la maîtrise, une expertise professionnelle. Donc il va vraiment y avoir un gros travail de la police, on en est bien conscient. Le mat, donc pour moi, cette carte n'est pas forcément peut-être l'interprétation que chacun en ferait. Mais en ce qui me concerne, quand je tire cette carte, comment dire? C'est une carte qui résonne en moi un petit peu différemment des autres. C'est quelque chose qui me fait appel à de l'immaturité, peut-être, ouais. Quelqu'un d'original, d'insouciant, d'enthousiaste, comme un barde un peu. Et là, donc, celle-ci est à l'envers. C'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ouais, il apporte pas forcément énormément, pour le coup, d'informations complémentaires. Néanmoins, ce qui est important à voir, c'est que, bah, encore une fois, comme il est à l'envers, on est sur de l'insensibilité. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui pour Émile. Et si je devais demander s'il était encore 2 secondes avec nous. Donc, la couleur serait plutôt négative, mais. Ouais, il va y avoir une transaction. On va demander de l'argent pour ce gamin. Ou alors il va être commercialisé lui-même. Alors je suis désolée, ce n'est pas des super nouvelles et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui traite exactement du même sujet que la vidéo précédente. Je vais aussi publier une vidéo beaucoup plus légère qui n'a rien à voir sur Magali Berda et le business de la télé-réalité et tout. Mais je tenais quand même ce matin à refaire le point pour Émile dans la mesure où on n'a pas du tout eu de nouvelles entre samedi et ce mardi matin. En tout cas, lorsque j'ai regardé les dernières informations de l'AFP à 7h30, on n'avait toujours rien. Je souhaite vraiment bon courage aux enquêteurs, à la famille, aux amis,
aux bénévoles, aux forces de pompiers, police, le parquet aussi qui va prendre cette disparition inquiétante en charge. Je vous souhaite vraiment d'être aidés dans vos recherches, de savoir vite ce qui s'est passé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci encore pour votre patience sur cette très longue vidéo qui me tenait à cœur. À très bientôt.